Ok, alors on va commencer une sicha du Rabbi sur Parashat Vayechi. C'est pris dans Chelek Gimel, dans le troisième tome. C'est une sicha très importante que donc je voulais partager avec vous parce que le concept est très intéressant. En fait, Vayechi qui nous raconte la fin de l'histoire de Yaakov, mais aussi celle de Yosef et le début de la galoute des Bnei Israël en Mitzrayim, et en même temps la promesse qu'ils vont sortir. En fait, elle contient des enseignements très importants, et on va essayer de comprendre une clé ici à partir du personnage de Yosef. Yosef, qui est en fait le personnage central, d'une certaine manière, de cette paracha. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi Yosef est là. Au début de la galoute, pourquoi c'est lui qui va nous sortir de la galoute aussi grâce à lui. Donc, le Rabbi va poser un certain nombre de questions et autour du personnage de Yosef, on va comprendre en fait un prototype de manière de vivre notre judaïsme, même dans la galoute, et pourquoi il faut le vivre comme ça et où est-ce que ça nous amène. Alors, on commence. Bessium parashat va'yichi mesaperet la Torah al besorat Yosef et Israël à Géoula. En fait, tout à la fin de la paracha, Yosef annonce à ses frères et à leurs enfants qu'un jour ils vont sortir de Mitzrayim, qu'ils seront délivrés. Et effectivement, le verset dit Ve'elokim pakod yifkod etchem, Dieu vous rachètera, vous sortira, Ve'ele etchem min ha'aretz hazot, il vous fera monter de cette terre-là. Donc, une promesse de Yosef, dire ne croyez pas, même si je meurs, pour l'instant tout va bien pour vous parce que j'étais encore là. C'est un moment de galoute, mais vous en sortirez. Hachem a promis qu'il va vous faire remonter du pays d'Égypte. En vérité, même la descente en Égypte, elle est venue à cause de Yosef. Enfin, elle est venue par l'intermédiaire de Yosef, qui a été vendu par ses frères, qui est descendu en Égypte. Oui. Et c'est à cause de lui, d'une certaine manière, puisque c'est lui qui les a fait venir. Biglalo, Baou, Yaakov, Banav, le Mitzrayim. Ensuite, comme c'est lui qui avait l'économie en main, et il a fait venir ses frères, il leur a dit, venez vous installer. Il aurait pu tout simplement envoyer de la nourriture à son père et dire, restez où vous êtes, moi je vais vous fournir tout ce dont vous avez besoin, mais pour l'instant, ne venez pas. Non, il leur a dit, venez, venez installez-vous dans Goshen, vous serez comme il faut, on va tout vous préparer, on va tout. Donc c'est lui qui les a fait venir. Yosef. Et à la fin, la sortie, elle vient aussi grâce à Yosef qui donne cette promesse. Où Ishmia et Bessora, Venatan et Tassiman, non seulement il a fait entendre la nouvelle, mais en plus il a donné un signe. Vele Siman Grida, et là, Gam et Takoa, Chiye, Vele et Tremina Azot. On dit le Siman, c'est pas Kodifkon, on entendra ça, et Hachem il va vous sortir, il va faire monter. Donc il a vraiment, quelque sorte, donné le signe de la Géoula. Alors, il faut comprendre, finalement, toute l'histoire de la Galoute, de son entrée et de sa sortie, elle tourne autour du personnage de Yosef. Il faut comprendre pourquoi. Pourquoi Yosef? Pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre? Pourquoi c'est pas Yehuda? Pourquoi c'est pas Réhouven? Ouais. Et donc, on va être obligé de cerner qui est Yosef. Qu'est-ce qu'il vient faire? C'est quoi sa caractéristique? Et c'est quoi qui le différencie de ses frères? Les autres aussi, c'était des tzadikim. Alors, bien sûr, on va dire que c'était un tzadik qui C'est était le plus seul grand. qu'on appelle par Ah, Yosef bravo! HaTzadik. Il s'appelle Yosef HaTzadik. Mais est-ce que c'est ça qui fait? Est-ce que c'est ça la Nekouda Il a gardé qui... tout. Ouais. Alors, effectivement, c'est un Il bon avait point. une ouverture vers les non-juifs, comme tu as dit. Aussi, il avait une ouverture vers les non-juifs. Alors, tout ça, on va voir. Hein. Comment ça se fait qu'il est plus tzadik? Comment ça se fait qu'il a cette ouverture vers les non-juifs, puisque c'est lui qui a aussi organisé l'Égypte, qui a même fait la Brit Mila aux Égyptiens? Pourquoi Yosef? Qu'est-ce qu'il a Yosef? Quelle est sa source? Quelle est sa nature? Quelle est son approche, sa vision? Alors, Yesh le'akdim biyur ma'alato chez Yosef. Il faut expliquer la qualité spécifique de Yosef. Chez Bekama amad bedarga na'alit lorak ki im gam Yaakov avinu. Par certains côtés, non seulement il a dépassé ses frères, mais même son père. Ah ouais. Chez Mishum, chez Beruchaniut, aya be'inyanim ana, na'alemer. Aya gam gashmiut ben makom meler. En réalité, pourquoi il est devenu roi? C'est pas simplement parce qu'il était plus rusé que les autres, c'est pas vrai. Il est devenu roi sur eux parce qu'il avait aussi une supériorité spirituelle sur eux.
C'est pour ça que Menaché Maïm, c'est lui qui a été élevé au-dessus de ses frères. Et même au-dessus de son père. Parce qu'effectivement, même d'ailleurs dans les rêves, on a vu que même son père devait se prosterner dans lui. Et c'est ce qui s'est passé. Sa mère aussi, je pense. Alors, sa mère, c'était un peu plus compliqué parce qu'elle était déjà Niftéret. Mais alors, une des explications, c'est que c'était pas sa mère. Ce serait Bila. Gam Gashmin bin Komer, je vais à Shvatim, je vais à Yaakov, je vais à Chavoulo. Tout le monde s'est prosterné devant lui. Kefi, Shenive, Kodem, Bechalot Yosef, Bechalom Yosef, Becharka, Nidkaem, Bepoal, à Shvatim, Rabot Pahami. Je l'ai aussi ici, par Shavayichim. Bechen Yaakov, Kemé Soupar, Betrilat à Paracha, Vayishtachou Israël al Rosh Amita. Donc on le voit. Il s'est prosterné. Lui-même, Yaakov, il s'est prosterné devant son fils. Shavei kol advarim veirué aolam gashmi mishtalshim noim min advarim vameurot beruchaniot. Il y a quelque chose ici qui est très important que le rabbi nous glisse en passant, mais qui est en fait un grand principe. C'est que tout ce qui arrive au niveau matériel, en réalité, c'est le reflet et ça dépend et ça provient de quelque chose qui est au niveau spirituel. C'est-à-dire que s'il a une malchoute en bas, c'est parce qu'il a une malchoute spirituelle. Sinon, ça s'appelle malchoute belotaga. Malchoute belotaga, ça veut dire un roi sans couronne. Un roi sans couronne, c'est quelqu'un qui s'abroge un pouvoir, mais alors qu'il ne le mérite pas d'en haut. Mais même ça, d'ailleurs, c'est parce qu'en haut, on lui laisse quand même avoir une certaine possibilité de faire ça. Il y a des gens qui sont arrogants, qui veulent prendre le pouvoir, qui prennent le pouvoir par du shaker, etc. En réalité, ça ne vient pas comme un dévoilement d'un degré qu'ils ont. C'est parce que, bon, il y a une raison pour laquelle on leur laisse faire ça en bas, pour différentes raisons. Mais normalement, quelque chose qui est un niveau gashmi pour quelqu'un qui va dans un bon dévain, c'est un reflet ou c'est le, si vous voulez, voilà, ça veut dire, c'est le résultat concret de quelque chose qui est un niveau spirituel, d'une cause spirituelle. Donc en réalité, hein, s'il est devenu roi et que tout le monde s'est prosterné devant lui, ses frères et son père, c'est qu'il avait une supériorité aussi à niveau rouhani. Ubifrat benogal et chaya avod v'ashvadim. Ce qu'on dit, c'est vrai en général, mais c'est surtout vrai, évidemment, quand on parle de gens comme les avod, les shvatim. Chez kol chayem, ayur rouhaniut, puisque eux, toute leur vie, c'est la spiritualité. Ce n'est pas des gens qui cherchent le pouvoir matériel. C'est des gens qui sont entièrement tournés vers la volonté divine. Qui est dit vrai à Morazaken, mais Tania, comme le Morazaken, il dit dans le Tania là-bas, c'est dans les Gerot à Kodesh, où il explique que les tzadikim, toute leur vie, c'est pas la recherche de la matérialité, toute leur vie, c'est la Emouna, c'est la Hava, Tachem, la Ira Tachem, ils vivent de ça. Chez Chaya, tzadik, Enam, Chaim, Bessarim, la vie des tzadikim, c'est pas une vie physique, ne tourne pas autour du côté physique. Qui im chaim uchaniim shem emuna veira veahava revada et shekol akorot otam gashmiut gam zot sheyakov veashvatim ishtachavu leYosef umishum shebekuchaniut Yosef amad Yosef bemadrigan alitmer. Donc on est obligé de dire qu'effectivement, s'ils se sont prosternés physiquement, c'est qu'il avait une supériorité spirituelle. Bet benyan Baruch haba. Benyan malato shel madrigat Yosef legabe dargat hashvatim ve'avot. Alors, si on veut expliquer, qu'est-ce qu'il avait de plus Yosef? En quoi il a une supériorité? En quoi il est plus élevé à tel point que même physiquement tout le monde va se prosterner devant lui? Alors, c'est expliqué comme ça. Mais voir be'arichut be'torat ha'chassidut. Dans les livres de chassidut, c'est expliqué longuement. Shavod v'ashvatim ayu roetzon, que les frères de Yosef, enfin tous les shvatim, les avot, c'est un peuple de bergers, c'est des gens qui gardent des moutons, d'accord. V'itnazru meinyane aolam aolim leafrera lem beavodatam. Alors quand tu es berger, hein, en général, tu vas dans les champs, tu vas dans les pâturages, tu te coupes du monde. Un berger, c'est pas quelqu'un qui vit dans une ville. C'est quelqu'un qui vit tout au long de l'année dans la transhumance de ses animaux. Il part de campagne en campagne. Donc du coup, il n'est pas pris dans
dans le monde des hommes, d'une certaine manière, dans le monde de la cité, dans le monde social, de la politique, il est un Kachem. Mais il y avait une exception. C'est qui l'exception? C'était Yosef. Yosef Aya, Michel Lemaire, lui, au contraire, il est rentré dans l'économie, il est rentré dans la politique. Il est devenu Premier ministre. Tafkid a Kachour, im tirdot gdolot beyoter. En réalité, sa fonction, elle était s'accompagner de grandes responsabilités, de soucis. Tu vois, un gars qui est ministre, encore plus un Premier ministre, en général, ils ne dorment pas beaucoup, ces gens-là. Il faut qu'ils règlent beaucoup de problèmes, il y a plein de dossiers à gérer. Quand t'es berger, de quoi t'as à t'occuper? Surveiller tes brebis, qu'elles mangent bien, aller les traire un peu, les faire pondre de temps en temps. Mais t'es pas... C'est pas des soucis, là, comme tu vois. Les gens les plus soucieux, c'est les hommes politiques, ou les gens qui sont dans du business, ils se cassent la tête toute la journée, d'accord? Les businessmen, ils ont des soucis. Surtout les businessmen. Et les fournisseurs, et les trucs. T'as pas beaucoup de temps dans ta journée. On n'a pas beaucoup de temps quand on travaille, quand on est vraiment investi dans le monde du travail. Vous n'allez pas me dire le contraire. On n'a pas beaucoup de temps pour méditer, pour rêver. Ouais. Bien qu'il faille, évidemment, prendre du temps pour étudier, prendre du temps pour méditer. Oubiprat, le Mitzraïm. Alors encore plus, imaginez, Yosef, il était en Égypte. L'Égypte, c'était un endroit... Hein, qui est considéré comme l'endroit le plus vil, le plus bas de la terre. Ce qu'on appelle Nikret Ervat Haaretz, c'est-à-dire la bassesse de la terre, la nudité de la terre. Vafal Piken, lo ifria d'avoir le Yosef la mode beotosha, beotasha'a betachit et vekut l'elokut. Alors, le chidouche extraordinaire, c'est que Yosef, il est resté dans le même vekut, dans le même attachement à Dieu, dans la même connexion, on dirait de nos jours, avec Hachem, que s'il avait été dans la campagne, en train de méditer sous un arbre. Il était là, dans les problèmes politiques, avec des réchaïms, avec un monde de Touma, d'Avodazara. Regardez toutes les statues qu'il y a en Égypte. Et lui, il était avec Hachem. C'est très fort. C'est extrême, même, d'une certaine manière. C'est mamache extrême. Comment tu peux être avec Hachem dans le monde? Je sais pas, part à Las Vegas, part dans Manhattan, encore Manhattan, il y a des juifs, mais part dans le est-ce que c'est la bourse là-bas, le stock market, là-bas, c'est la bourse, il crie de tous les côtés là, à New York, là. Wall Street, va dans Wall Street, va être bedvekut dans Wall Street, d'accord? Comment tu peux penser à Hachem à Wall Street? Toute la journée ça crie, j'achète, je veux pas, et encore, là c'est avec toutes sortes de tout bas, toutes sortes de shakers, de sciences occultes. Il avait vraiment beaucoup de tout bas autour de lui. Il était avec Hachem. Vous savez qu'on a vu ça, hein, même quand le Rabbi est arrivé aux États-Unis. C'était pendant la guerre. Et pendant la guerre, étant donné qu'il était venu avec un diplôme d'ingénieur, c'est une des manières qu'il avait présentées pour pouvoir immigrer. Elle a été réquisitionnée pour l'effort de guerre et sa tâche consistait à participer à la construction d'un bateau, un bateau de guerre. Donc il devait aller dans des immeubles, je ne sais pas où c'était, à Brooklyn ou quelque part à New York. Et il y avait une grande salle immense avec 500 gars qui étaient en train de travailler sur des plans du bateau. Donc tous des Américains. Tous en col blanc, on appelle les cols blancs là-bas, tous en chemise. Mais le rabbi, c'est le seul qui venait avec sa veste, son chapeau, avec sa barbe. Et dans ce monde complètement goy, le rabbi, il était toujours dans la même vécoute. Les témoignages des gens qui étaient là-bas, des juifs, quelques juifs qui ont vu ça, ils étaient complètement impressionnés. Ils ont témoigné de ça, que le rabbi n'avait pas l'air du tout perturbé par l'ambiance qui était pas du tout kadosh, qui était complètement chol, tout à fait profane. Mais le rabbi il restait complètement le même, qu'il soit là-bas, qu'il soit au 770, il avait la même apparence, la même connexion avec Hachem. T'imagines, nous des fois à Shabbat, on sent qu'on est dans la Kedusha, mais maintenant tu vas à Shabbanel, et t'es dans la même connexion. C'est pas évident.
C'est pas évident. Comment tu... T'es là avec des fournisseurs, des roubleurs... C'est des... la seule façon de t'en sortir, c'est ça. C'est ça. Alors, qui c'est le prototype, le modèle de ça? C'est Yosef. Parce que Yosef, il est dans l'extrême de la saleté du monde. Ervata Aret, saleté du monde. Il est dedans. Et il n'est pas affecté, il n'est pas sali par ça. Il n'est pas pollué. Imagine quand t'es avec des gens autour de toi qui sont toxiques. C'est très difficile de rester centré sur toi-même. Ça, c'est Yosef. Yosef, il nous montre ça. Donc là, on arrive au point où c'est pour ça que c'est lui qui va gérer la galoute. C'est lui qui est capable de traverser la galoute et d'en sortir. Parce qu'il n'a pas d'influence. Mais oui, parce que sinon... Moi, je sais que tu me mets dans certaines situations où je bad trip, je commence à devenir fou. Il faut que je parte, il faut que je sorte. Déjà, va prendre le métro dans un... Tu te sens pas bien? Là, les gens, ils arrivent, ils sont dans le métro, ils sont dans le cachet. Je suis dans le métro, j'ai l'impression d'être, je sais pas où. Alors ça, c'est Yosef, Yosef HaTzadik. Vezehu gam hatam lekach shehatorah mesaperet. C'est ça que la Torah raconte. Vekar Yosef et Echav ve'em lo ikiru. Ce qu'on a vu dans la paracha l'année dernière, c'est que quand il y a la rencontre entre Yosef et ses frères, Yosef a reconnu ses frères, mais eux ne l'ont pas reconnu. Alors, Alpipchat, on pourrait croire que c'est quoi le problème de reconnaître? C'est que maintenant, il était beaucoup plus vieux, c'était 20 ans plus tard, il avait une barbe. Mais c'est pas tout à fait vrai, parce que quand même, ton frère, même s'il a une barbe, même si c'est 20 ans après, quand même, tu risques de le reconnaître. C'est pour ça que les Chachamim disent, c'est quoi, ils l'ont pas reconnu? Ils n'ont pas compris comment c'était possible qu'il soit là. C'est-à-dire, pour eux, c'était impossible que Yosef soit devenu comme ça. Pas parce que c'était impossible qu'il soit devenu ministre, mais qu'il reste Yosef. Ça ne peut pas être Yosef, en tout cas. D'accord, c'est une stira. Tu ne peux pas être à la fois un juif et à la fois dans Yosef, ce monde. Ça veut dire que je suis resté le même. Voilà. En réalité, c'est-à-dire, le sens profond de ça, c'est de dire... Vous ne pouvez pas comprendre qu'on pouvait rester le même. Tu ne peux pas. Imagine, je te dis maintenant, toi, tu es un juif religieux et maintenant, tu deviens... Je ne sais pas, tu deviens président des États-Unis. C'est une stira. Tu ne peux pas. Mais lui, oui. Mais ça, il ne pouvait pas comprendre ce degré-là. Mais je suis autour de la Asmam chez Shari Adavar chez Otto, Mishnel et Merlin Yosef Hatzadik, qui ne pouvaient pas imaginer que ça peut être Sadik, qui peut être. C'était impossible pour eux, ça ne commençait même pas. Chez Ken, les fils Seder à Avoda, Re Olam me avestira les Dvekut Beloku. Parce que d'où ça vient de tout ça? Parce qu'en principe, le monde, vous savez d'où ça vient le mot Olam? Olam? Ça vient du mot Elem. Elem qui veut dire voile. Le monde y voile Dieu. Donc c'est un obstacle. C'est-à-dire que, de prime abord, on a l'impression que le monde s'oppose à Dieu. C'est un écran. Tu peux être dans le monde, ça gêne pour être proche d'Hachem. Yosef, il va montrer le contraire. Mais pour eux, ils étaient dans une vision globale. Et d'ailleurs, regardez la plupart des religions. Ils vous disent, tu veux vraiment te rapprocher de Dieu? Alors, sors du monde, coupe-toi, va dans un monastère, va méditer sur une montagne, ne te marie pas, fais vœu de chasteté, de pauvreté, coupe-toi des plaisirs de ce monde, coupe-toi du monde, parce que le monde t'empêche d'être proche de Dieu. Yosef, il nous montre autre chose. Tu peux être dans le monde, tu peux être même au cœur du monde, tu peux même être dans le fond du monde et être avec Dieu. Là, on va toucher... le sens profond de la galoute. Pourquoi on doit être en galoute? Qu'est-ce qu'on va faire en fait là-bas? Au-delà de l'idée qu'on est parti en galoute parce qu'on a fait une faute ou quelque chose comme ça, c'est rien à voir. Oui, je vais M. Lo ikiru, lo aita la M kolakara be madriga koa kogwa kefish aita be madriga chez Yosef HaTzadik. On peut dire aussi que pourquoi ils l'ont pas connu, ils l'ont pas reconnu, c'est parce qu'ils
Ils n'imaginaient pas, ils ne pouvaient pas concevoir un tel niveau. Ils n'arrivaient pas à percevoir son niveau, qui est justement ce niveau qui lui permet d'être dans le monde et d'être avec Hachem. Alpizé, Yeshdever, et Akatouf, et les Toldot Yaakov Yosef. Alors, verset, il nous a dit, et les Toldot Yaakov Yosef, le parashat de Yeshev, Toldot Yaakov, M. Agilouim Shel Yaakov. Alors, le verset, il nous dit, et les Toldot Yaakov Yosef. Ce que l'on comprend en général en disant que celui qui va le plus exprimer la nature profonde de Yaakov, c'est Yosef. C'est lui qui est le vrai continuateur, en quelque sorte, de son père. Maintenant, quand on dit toldot, le mot toladot, tolada, veut dire génération, quelque chose qui est généré, un fruit. Le fruit de Yaakov, c'est Yosef. Ce qu'il génère, c'est Yosef. Et en réalité, ça s'explique aussi de la manière suivante, c'est-à-dire que Yosef révèle, dévoile réellement ce qu'il y avait dans son père. Par exemple, comme un fruit révèle ce qui était dans l'arbre. Prends un pommier. Un pommier, finalement, tu vas voir que c'est un pommier que quand tu vas manger la pomme. C'est là que tu sens vraiment que c'est un arbre qui s'appelle un pommier. Même chose. Celui qui dévoile, ici, c'est Yosef. Yosef, il va révéler ce qu'était son père. Alors, dans la Kabbalah, on explique que Yaakov Avinu, il correspond au monde divin. C'est les Avot, ils sont dans un degré qu'on appelle Hatzilut. Hatzilut, c'est le monde de Dieu. Mais Yosef, lui, il va révéler dans le monde de la création, qu'on appelle Bria, Yitzira, Asiya, il va révéler ce qui était dans Hatzilut. C'est ça, il est Toldot Yaakov, Yosef. La Tolada, ce qui est généré depuis Yaakov, c'est Yosef. Ce qui est généré depuis Hatzilut, c'est la Bria. C'est la création. Mais le Bechor, c'est pas en général lui qui est... Alors, le Bechor, en réalité, c'est tous les enfants. Normalement, toutes les Toladot révèlent quelque chose qui est dans l'enfant, dans le père. Et d'ailleurs, quand il y a plusieurs enfants, chacun révèle un aspect des parents. C'est pour ça que tu peux avoir des enfants qui sont très différents, parce qu'en fait, tu as plusieurs aspects en toi. Et ce que tu vas retrouver plus chez tel enfant, plus chez tel enfant. C'est un chouchou. Tu reconnais telle qualité chez lui, tel trait de caractère. D'accord ? Alors, ici, donc ce qu'on est en train de dire ici, pour revenir à ce qui est marqué, alors par rapport au Bechor, le Bechor, normalement, c'est lui qui révèle en premier, donc c'est lui qui a plus de concentré. Vous avez une fois tous les quatrièmes selon la. Ah ouais, si aussi le. Là, il est onzième, il n'est pas sous. Ouais, mais il était. Il est quand même le Bechor de Rachel. Ah, c'est vrai. Bon, Rachel, c'était le zivou qui voulait Yaakov depuis le début. En réalité, il voulait se marier avec Rachel. C'est ça qui devait. C'était son vrai zivou. Donc c'est pour ça que quand Yosef il est né, il a dit ça, c'est lui l'enfant parfait. J'attendais. Et il avait ce côté-là. Ça veut pas dire que les autres, ils n'étaient pas parfaits aussi. C'est celui qui me chlémine. Mais Yosef, il avait quelque chose. Puis Yaakov, c'est pour ça que quand il a cru que Yosef avait disparu, qu'il était niftar, il était perdu. Parce que toute la Nekouda, toute la Tolada, toute la génération qu'il voulait avoir, c'était celle de Yosef. Alors pour revenir à ce qu'on dit, ici, Yosef, il correspond au la mode de la création. Yosef, il me chérit de l'héroïdam, le la mode Bia. Adelam Azé Agashmi. C'est comme si Yosef, il amène le principe de son père, qui est un principe d'Atsilou, qui est quelque chose de très spirituel, qui est l'essence du judaïsme, qui est la Kabbalah la plus pure de la connaissance de Dieu. Il amène jusque dans le monde matériel. Ça, c'est ce qui fait Yosef. Yosef, il amène dans le matériel, dans la bria, ce qui était dans la Hatzilut. Vedavka Yosef a yamesugal la sotzot. Seulement Yosef était capable de faire ça. Sheken madrigato aita benyanze. Nalit yoter me madrigat Yaakov. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'il est supérieur à Yaakov. Parce qu'il a cette capacité d'amener ça dans le monde. D'amener ça en bas. Ce qu'on n'avait pas Yaakov. Ce que Yaakov n'avait pas. Et c'est pour ça que Yaakov, il avait besoin de Yosef. Parce que le but, c'est d'arriver dans ce monde. Yaakov, il était Ishtam Yoshev Oalim, c'est un homme de l'attente, l'attente de l'étude, de l'attente de la prière, de l'attente du berger, l'attente de la méditation, l'attente
La tente, c'est pas le monde. La tente, c'est... Où est-ce que tu mets plante une tente? Dans le désert. Si tu es dans la ville, c'est dans une maison. Mais Yosef, lui, il va prendre cette spiritualité de Yaakov et il va la réaliser et l'accomplir et la matérialiser dans l'Égypte. C'est-à-dire au plus bas de la matérialité. Et de ce point de vue-là, il est plus grand. Parce que ça demande une qualité supérieure pour faire ça. Non, il dit que le Baal et Tshuva, il est... Ça rejoint aussi, le sadique ne peut pas être. Ça peut rejoindre aussi cette idée, exactement. Bendianzen, Alit, Yoter, Mimadrigat, Yaakov. Alken, Ayayachol, la redette, les makom, a tarton, Yoter. Donc il était capable de descendre au niveau le plus bas. Kifiakla, kola, gavoa, gavoa, beyoter. Yoren, les matam, mata, Yoter. Il y a un grand principe que plus une chose est élevée, plus elle peut descendre bas. Mais ce n'est pas au sens péjoratif. C'est au sens où il a la capacité maintenant, il a la force. En réalité, si vous voulez, celui qui descend très, très en bas, il faut que ce soit quelqu'un de très élevé. Quelqu'un qui est moyennement élevé, il ne peut pas descendre trop bas parce qu'il va se casser la figure. Kelomar, Avshen, Korim, Avot, et là, les Shloshim. C'est un paradoxe, ça peut entendre de haut. Puis ça... Alors, aussi, dans la chute, ça peut être comme ça. Mais ça veut dire, si tu veux, celui qui va s'occuper du monde le plus bas, il faut que ce soit l'homme le plus haut. Tu peux pas, c'est pas demander à tout le monde d'aller dans les niveaux les plus bas pour être resté avec Hachem. Le plus bas ici, le minéral, il a sa source la plus élevée. C'est aussi lié avec ça. Mais ici c'est pris comme le sens de, par rapport à l'attachement à Hachem, pour être attaché avec Hachem dans un monde très bas, il faut être soi-même très élevé. Kelomar, Avshen. Shen Korim Avot Ela les Shlosha. Aynu Shirak Shlosha Ele Avram Yitzhak Yaakov Ayu Avot. Shekol Echad Mehem Paal Bekol Echad Mi Yisrael. La Amshir Elokut Al Yede Mida Ben Yuchizek. Alors c'est vrai qu'il y a trois Avot. Avram, Yitzhak, Yaakov. Chacun il a sa Mida. C'est avec Gvura Tiferet. Et ces trois Avot, ce nom sont nos Avot, ils nous ont fait hériter ces Midot là. Ces qualités. On a les qualités des Avot. Avram, Aïda Chesed, Yitzhak Gvura, Yaakov Tiferet, Rachamim. Il naît Yosef, Lopal, Inyan Chadash. D'une certaine manière, Yosef, ce n'est pas un quatrième pilier de la Merkava, ce n'est pas une quatrième Mida. Ouais. Ayou Elou Toldot Yaakov. En réalité, il est juste le prolongement de Yaakov. Où il redire Baolam est un shachat chez Yaakov, Bachir chez Baavot. Alors Yaakov, c'est lui le meilleur des Avot. Mm-hmm. C'est lui parce qu'il a la synthèse des deux précédents, des premiers. De Avraham et Tzrak. Mm-hmm. Salah Rahamim, c'est la synthèse de Chesed et Gvura. Donc il a une qualité extraordinaire. Ça, c'est... Mais finalement, Yosef, il a pas, c'est pas une nouvelle Mida, c'est juste le prolongement et la capacité d'amener cette Mida de Yaakov dans le monde. Ouais. Exact. Chez Midato Tiferet, il kava emtsaï ben chesed de gvura a kolel et chteyom, comme on vient d'expliquer. Avalze atzmo chez Yosef a yachol le orid et amchachout chez Bechir chez Baavot le matamata ou mishum chou atzmo a gavoa gavoa beyoter. Mais le fait qu'il est capable d'amener cette meilleure mida de Yaakov, celle de Yaakov, d'amener en bas, c'est parce que lui-même il est très élevé. Gimel. Alors, dans ce cas-là, il est plus haut que Yaakov. Il est plus haut que Yaakov. C'est pour ça qu'on voit que, concrètement, Yaakov... Même le prolongement est plus haut. Oui, parce que sa source, elle est plus haut. C'est pour ça, c'est ça le paradoxe. Mais c'est ça qu'on voit que... C'est pour ça qu'on voit que même Yaakov s'est prosterné dans Yosef. Alpizé gam yuvan, machekatouf bazoar. Chez shlosha regalim em keneget shlosha avot. En réalité, les trois fêtes, dit le Zohar, laisse-moi que c'est un petit connu, correspondent aux trois Avot. C'est quoi les trois fêtes? Pessah, Shavuot et Sukkot. Pessah correspond à Avraham. Bonne et Mar, Louchi veut aussi Ugot. Comme on voit, quand les anges sont venus voir Avraham, il a dit à sa femme, pétris-moi des galettes, qui étaient les galettes de Pessah. Jvuos, Kenegad Yitzhak. Shavuot. Ça va par rapport à Yitzhak, chez la reine, etat kiyat bematan Torah, bechag Shavuot bechofar. On sait qu'au moment du matin de Torah, il y a eu un grand chauffard qui a sonné. Comme le chauffard représente la corne du bélier, qui était le substitut
d'Itsrak Avinu. Mais Elio chez Itsrak. Mais Soukot Keneged Yaakov, Bonema, ou les Mikne à sa Soukot. Sur Yaakov, on dit qu'il avait fait des Soukot, des cabanes, pour ses troupeaux. Apa, Marishona, Bomofia, Betora, Tinian Soukot, ou Shmini Atseret, Shayer les Yosef. Et le Zohar, il rajoute, il dit, mais Yosef, lui, correspond à Shmini Atseret. Shmini Atseret, c'est-à-dire le huitième jour après Soukot, mais qui est en même temps une fête en tant que telle. Alors c'est intéressant ce que le Rabbi va expliquer, hein, on va le voir tout de suite dans le texte, c'est que quand on dit Shmini Atseret, c'est Shmini par rapport à quoi? Par rapport aux sept jours de Soukot. Donc on voit que c'est lié avec Soukot. On dit Soukot, c'est Yaakov. Mais d'un autre côté, c'est un Chag Bifnatsmo, c'est pour ça qu'on fait chez Rayanou. C'est une vraie fête, pas comme le Juif chez Pessah. Kimouche et Tsel Yosef, Neymar et les Toldot Yaakov, Yosef, chez Yosef ou Emcher le Yaakov, de même qu'on a dit donc que Yosef était le prolongement de Yaakov, car Shmini Atseret ou Emcher chez Chagasukot, c'est aussi le prolongement du Chagasukot. Mais Shmini Atseret, Yeshtam Shnit Varim Menagdim, vous, Regel Bifnatsmo, d'un côté, alors on vient, comme on vient de le dire, Shmini Atseret, c'est une fête en tant que telle. Chez la femme, Evarim Shekhianou, Beshmini Atseret. Chez l'eau, Kemo, Shivi, Shel Pessar, Shen Varim, Bo Shekhianou, Mishum, Shen Eno Yom Tov, Nifrad, Michag, Pessar. Dans le septième jour de Pessar, on ne dit pas Shekhianou parce que ce n'est pas une fête en tant que telle. C'est juste le septième jour de Pessar. Par contre, Shmini Atseret, c'est une fête en tant que telle. La fête de Shmini Atseret, Simchat Torah, c'est autre chose que Soukot. Medar, Unikra, Shmini Atseret. Mais d'un autre côté, on l'appelle 8. Donc si on l'appelle 8, c'est que c'est le 8e par rapport au 7. Et transcendant. Qui a Kesher chez Shmini Atseret et Soukot, domé les Kesher chez Yosef Hatzadik et Yaakov. Et donc là, le Rabbi va expliquer que le lien qui est entre Shmini Atseret et Soukot, ça ressemble au lien qui est entre Yosef et Yaakov. Av Yosef ou Emcher chez Yaakov. Yosef aussi, il est le Emcher de Yaakov. Qui a Amour ou Mamshir le Mata et Inyan et Yaakov. Donc il a la prolongation de Yaakov, il amène l'Inyan de Yaakov en bas. Aval ze goufa chez Oum et Sougal les Horid et Amchachot à Elionot chez Yaakov les matins. Arezem malam yochedet be Yosef afilou les gabé madrigat Yaakov atzmo. Mais d'un autre côté, sa capacité d'amener les choses en bas, comme on vient de le dire, c'est parce qu'il a quelque chose de supérieur à Yaakov, qui est complètement différent de Yaakov. Donc, il est aussi Shmini Atseret, un chag bifne atzmo, de même Yosef, bien qu'il ait le prolongement de Yaakov en même temps, pour qu'il puisse prolonger ça en bas, il faut qu'il soit d'un autre niveau. Quelque chose de meyuchad, de spécifique. Car gam shmini atzeret mamshir bepnimiut et kol inyan chag ha-sukot. Effectivement, donc on voit shmini atzeret, c'est comme si à shmini atzeret on récupère tout ce qu'on a fait pendant sukot. En fait, on l'amène mamshir bepnimiut et kol inyan chag ha-sukot regel ha-shlishi akolel betocho shnei regalim pesar ve-shavuot. Et d'ailleurs, quand on dit sukot, sukot lui-même, il inclut pesar ve-shavuot. Parce que c'est le troisième régal, c'est celui de la fin. Ça commence par Pessah, ensuite il y a Shavuot. À la fin, il y a Soukot qui est la synthèse des trois. Ça ne devrait pas être l'inverse. C'est-à-dire ça a commencé, la Torah elle commence avec Abraham, Yitzhak et Jacob, et après il y a Pessah, l'Exodus, non? Non, mais justement, après, bon, comment ça s'est passé ça s'est passé historiquement après. Ouais. Mais les trois fêtes, elles sont en correspondance avec les trois avotes. Bah ça, je comprends. Alors justement, si on dit comme ça, si on dit que Pessah c'est Avraham, alors du coup c'est lui le premier. Right, okay. Le deuxième, c'est Matan Torah, c'est Tzrak, et après tu as Soukot qui est la synthèse des trois. Est-ce que c'est relié aussi au fait qu'il fait descendre une Beracha? Puisque quand on bénit, on dit qu'il ménage ses enfants, et on fait mourir à Geshem, à Geshem de Beracha. Alors, il ne va pas le dire ici, le Rabbi, mais oui, il y a un lien. C'est du nam shacha, c'est une prolongation de quelque chose qui était au-dessus. Kimosh Midat Yaakov Kolev et Midat Avraham Yitzhak. Shehare Soukot Moré Al-Bekinat Makif. Alors, là, le point, on arrive à un point de Kabbalah qui est intéressant, c'est que Soukot, ça correspond à ce qu'on appelle un Or Makif. C'est quoi Makif? C'est une lumière enveloppante, comme la Soukha qui nous enveloppe, qui nous entoure. D'accord? Kemo asuka makefet et adam. Aynu shebe sukot baot kolam shachot mil maala beofen shel makif. C'est-à-dire que sukot, en réalité, il y a des orotes qu'on reçoit de manière makif.
Beshmini Atzeret, En Baot, Bepnimiut. Mais Beshmini Atzeret, ça rentre à l'intérieur, ça devient Pnimiut. Atzeret, Tie, Lachem. Ce sera une conclusion pour vous. La Tzor, ça veut dire réunir, ça veut dire intégrer. Chez Amshachot Baot, les Israël, Beofen, Chez Atzeret, Kenishu, Milachem Klita. C'est une intégration. Bepnimiut. C'est-à-dire, c'est comme si, à la fin de la fête de Sukkot, pendant 7 jours, on a eu une fête extraordinaire. Tu sais, quand tu fais une fête, il y a plein de choses qui se passent. Mais à un moment, tu vas l'intégrer. Tu vas l'intégrer pour le garder pour le reste. Hein? C'est pour ça que le Zohar, il dit que la fête de Shmini Atzeret, elle représente la même chose. La comparaison, c'est comme si pendant 7 jours, un roi avait fait la fête avec tout. Avec tous les princes de toutes les Médinotes, c'est pour ça dire qu'on amène 70 taureaux comme les 70 nations pendant Sukkot. Mais à la fin, il ne veut pas les laisser partir. À la fin, une fois justement qu'ils sont que les autres sont partis, il reste juste ouais, Israël. Ouais, c'est ça. Et là, c'est juste un taureau, c'est juste. On reste ensemble. C'est comme après quand les invités sont partis, c'est tu ça. Restes avec ta famille, tu sors les photos et tu dis ah il s'est passé ça et t'as vu quand lui il est arrivé. En réalité, t'intègres. Beaucoup de choses qui étaient jusque-là maquif. Bon, c'est des exemples un peu simplistes, mais l'idée, elle est là, c'est que pendant Sukkot, il y a des grandes orotes, très maquif, il se passe beaucoup de choses. Et à Shmini Atzeret, tu intègres ça dans la simra pour garder ça pour toute l'année. Alors, Moré al kohar ne'ele be Shmini Atzeret she biglal kohar ha'elyon ze yecholim גם הגילויים שהם למעלה מהעולם מצד עצמם הם משייכים להיות נמשכים רק בבחינת מקיף לבוא בשמיני עצרת בעולם בבחינת פנימית quand on dit מקיף en général מקיף ça veut dire quelque chose qui te dépasse comme le toit de la soukha il te dépasse c'est des choses que tu comprends sans comprendre des secrets que tu sens qu'il y a une gdusha mais maintenant intégrer que ça devient une partie de toi-même que tu l'as perçu tu l'as compris à un certain niveau. Ça, c'est un niveau plus grand. Ça, c'est le lien de Yosef. Yosef, il est plus grand parce que, justement, il permet d'intégrer toute la spiritualité d'Yaakov dans quelque chose de concret qui fait que ça va pouvoir fonctionner même dans le monde. Ouais. Yétera Mizou... Une fois qu'on intègre un maquif, il y en a un autre qui vient. Oui. Donc, c'est un peu comme les poupées russes. Oui, mais à Shmini Atzeret, tu intègres tout le maquif que tu as depuis Rosh Hashanah. Toutes les fêtes que tu as vécues Rosh Hashanah, même depuis Elul. D'un coup, maintenant, tu rentres ça en toi et tu peux partir avec un bagage. Et t'es remisou, mais Sukkot, écrivez-vous Shivim Parim. Comme on a dit, à Sukkot, on a amené 70 taureaux, Keneged Shivim Umot, en relation avec les 70 nations. Kelomar, chez Me'achar, chez Amshachot, chez Chag HaSukkot, chez Embe Brinat Makif, Yerkolim Umot Aolam, chez Tielaim Yenika, vers Hizabel. Alors, le problème. C'est que les nations, elles peuvent en profiter aussi et le récupérer d'une mauvaise manière. La reine, écrivez-vous Shivim Parim Kedé, les Varer et Shivim Omot. C'est pour ça qu'on a mis 70 taureaux pendant cette semaine-là pour arranger ça, pour que l'influx qui passe chez les nations, il soit pas perdu dans la clipa. Dans les exemples aujourd'hui. Des influx qui sont perdus par la Kippa, tu peux voir ça concrètement. On envoie des vivres à Gaza, c'est récupéré par le Hamas. C'est pas bon, il faut savoir bien orienter les choses. Alors, à un niveau rouhani aussi, c'est la même chose. Quand ces orot makif, elles sont tellement grandes que tout le monde peut en profiter, mais il faut savoir les canaliser. D'accord ? Aval Beshmini Atzeret, Av She'az Ba'od Kolam Shachot Lemata, Mikol Makom Ikrivu Rak Par Echad Aïl Echad. Mais Beshmini Atzeret, on a mis juste un taureau, juste un mouton. C'est un souffle dans Michelet. Moi, j'ai jamais compris qu'on pouvait mal intégrer. Je pense que si tu n'intègres pas, ben, ça reste un maquis. Une fois que c'est timide, c'est que c'est bien intégré. Donc tu peux mal intégrer. Bien sûr. C'est incroyable ça. Bien sûr, tu peux utiliser après à mauvais escient. Tu peux détourner. C'est pour ça qu'il y a des lignes fines. Bien sûr. Yulecha, Evadecha, Ven, Zazarim, Itra. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui maintenant va rien que pour toi, c'est pas pour les étrangers. Chien, les Zarim, Kolachiza, Oyenika, à ce moment-là, les étrangers n'ont pas
de Yonika sur ça, ils ne peuvent pas en profiter. Mais Dougma, quand regarde Yosef chez Gambi, Oto de Mitzrayim, Hervata Ares, le Bilbela, Oto, Klan, Niyot, Vetachlit, Advekut, Belokut, Ven, Zalimitra. Donc lui, il était dans cette Bechina-là, où toute sa Kdusha, elle restait canalisée dans la Kdusha, elle ne partait pas dans la Touma. Quelqu'un qui est très spirituel, mais qui tombe dans des Averot, Chas V'Shalom, il nourrit la Sitra Acha, il nourrit les forces du mal. Ça, encore plus. Mais si quelqu'un il reste tout le temps à Keshem, il reste dans la Kedusha, il reste dans la Halacha, dans le monde, au contraire, il amène Elokut à se révéler dans ce monde. C'est pas qu'il voile encore plus Hachem, en nourrissant, en donnant des forces au mal. Biur Nusaf, on est arrivé au Dalet. À la Keshem ben Shmini Atzeret et Yosef, on va expliquer un peu plus ce lien qui est entre Shmini Atzeret et Yosef. Pourquoi on l'appelle 8? Alors 8, c'est pas simplement 8, c'est un chazak. Mais il y a aussi une autre dimension, ça c'est ce qu'on a dit un petit peu avant. Mais il y a aussi une autre dimension dans Shmini. Le parfait, le parfait, la complétion. La complétion, le parfait. Le parfait, c'est la même chose. Il est de 8. On a dit plusieurs fois. L'infini aussi. L'infini. Le 8, est-ce qu'il y a un 8e jour? Normalement, il n'y a pas de 8e jour. La brite. Il n'y a pas de 8e jour, parce que quand arrive le 7e jour, après ça recommence un premier jour. La semaine, c'est 7. Donc quand on dit 8, on dit quelque chose qui est de l'ordre de au-delà du temps. Comme la brite Mila, qui est de l'ordre de l'éternité aussi. C'est parce qu'en fait, dans ce jour-là, pourquoi on l'appelle Shmini? Une des raisons, c'est parce que le niveau de 8 brille en lui. C'est ce qu'on appelle quelque chose qui est au-delà de l'enchaînement causal des mondes. C'est quelque chose qui ne vient pas dans la structure du monde. C'est quelque chose qui est au-delà du monde, le 8. Amesaper chez Shiva, pardon, Amispar Shiva, Mesamel, El Kol Seder Hashtal Shilot Shekavua, Omerulak, et Mispar Shiva. C'est-à-dire, quand tu dis 7, 7, ben, ça représente le monde, toute la Hashtal Shilot du monde. Shiva Yeme Aikef, on parle des 7 jours de la semaine. C'est le jour du cycle. Amispar Shmoné, en revanche, le nombre 8, Moré al Madrigat Abahami est vers les Mispar Shiva. On parle de quelque chose qui est au-delà du 7. Les Mal Amishtal Shilu, donc au-delà du monde, de l'enchaînement du monde. Ou Mishum Shebeshminyat. L'enchaînement du monde, c'est que le 1 provoque le 2, le 2, le 3. Du mardi, on arrive au mercredi, du mercredi au jeudi, du vendredi au samedi, du samedi, on revient au dimanche, et ça tourne. Le 8, il est où? 8, c'est au-delà de cette boucle, au-delà du cycle, au-delà du Gilgoul. Ou Mishum Shebeshmini Atzeret Meira Madrigat Hashmini. Donc, puisque le niveau 8 rayonne le jour de Shmini Atzeret, chez les Mahalam et Seder Hashtashiyot, Vena Mugbelet Mishum Medidut Veagbalot, et Fichar Yecholim Lavo Beshmini Atzeret Bepinimut Gam Beamsharot Shem les Mahalam et Oilam, chez Besukot Nimshum Rag Bebichinas Mokif. Donc finalement, on peut arriver à amener, à révéler quelque chose qui est encore plus élevé que tout ce qu'il y avait pendant Sukkot, qui était Bebrinat Makif. Car Motsim, Gam Be'inyan Amila, on retrouve ça effectivement dans la Brit Mila, qui doit être normalement le 8e jour. Chez Mitzvata Be'yom Hashmini, qui a lié des Brit Mila, Nimshar Bechinat Hashmini. Chez Ule Ma'ala Mishtal Shilut. Vezui, Netinat koar le amshir et amadrigot a elyonot bigdusha. En réalité, l'union de la Brit Mila qui a lieu le 8e jour, c'est quelque chose qui donne à chaque juif cette capacité justement d'être en connexion avec quelque chose qui est au-delà du monde. La Brit Mila, mot Brit veut dire alliance. Quand il dit alliance, c'est-à-dire qu'il y a deux côtés dans une alliance. C'est qui les deux côtés de l'alliance? Ici, c'est le Ben Israël avec Hachem. Mais Hachem, il est éternel. Hachem, il est infini. Il est au-delà du temps et de l'espace. Eh bien, toi, tu es relié, c'est ça l'alliance, tu es relié avec cette dimension éternelle, infinie, au-delà du temps. Et c'est pour ça que ça doit se faire le 8e jour. Parce que le 8e jour, c'est le dévoilement de cette dimension extra-temporelle, extra
mondial. Genre des mots. Alors, Kohar le Hamshir est un madrigat à Eliona avec Doucha. Shem le Ma'alam Yaolam. Il explique, c'est au-delà du monde. Ça correspond dans les Sphirot à la sphère aussi de Keter. Parce que Keter, chez les Ma'alam Ishtalshirot. C'est pour ça que la Brit Mila, elle est liée avec les 13 couronnes du Keter. Les 13 rayons de la couronne du Keter. Ou les Oridam ou les Chavram. Im yesod siyuma de goufa. Dans le langage du Zohar, c'est que ce keter, il va se relier maintenant avec le yesod qui est le nyan de la brite. Et nous, j'allais des bris mila, niskar gam kol abasar gashmi shel adam, ou mitachet im akadish beaucoup bebritola. Grâce à la brite mila, en réalité, même le corps lui-même, et l'endroit, on pourrait dire, le plus bas du corps, ce qu'on appelle siyuma de goufa. La fin du corps, c'est-à-dire la partie la plus basse du corps, elle rentre elle-même dans la kedusha. Donc tout le gouf, il va devenir kedush. Brit Mila, c'est lié avec Yosef. Ou madraga shel shmini, ameira beshmini atzeret, zeu madragat Yosef atzadik. Tzadik, yesod olam, correspondant à cette sphère du yesod. Cette sphère du tzadik qui révèle le keter. Ok, c'est clair. Yosef Hatzadik, qui est Bechinat Yesod, qui est Bechinat Brit Mila. Ou Bechinat Shmini. L'éternité qui se révèle dans le plus bas. Et, Ephizé, Yuvan, Gam Asheikhout, Shel Galut Mitzrayim, Veitziat Mitzrayim, Yosef Davka. Alors maintenant, on va pouvoir répondre à la question. On est posé pourquoi toute cette histoire de Galut, la rentrée en Galut, la sortie du Galut, ça dépend de Yosef. Pourquoi Davka lui. Alors, Kavanat al-Yekida, les Galut Mitzrayim, et Kedil et Otsi Misham Rechouch Gadol. Qu'est-ce qui avait été promis à Avraham Avinu au moment de ce qu'on appelle le Brit Ben Avetarim, c'est-à-dire l'alliance entre les morceaux. Il a dit, tu vas avoir un grand peuple, et ils sortiront, ils rentreront en exil, ils seront 400 ans en exil, mais ils sortiront avec un Rechouch Gadol, une grande richesse. Toi. Razak. Aïnou, les varères est un etsutsot avec doucha chez Yub Bemitzmetsuim Bemitzrayim. Et puis Kabbalah, on dit c'est quoi cette grande richesse? C'est la richesse des étincelles de Gdoucha qui vont sortir justement de Mitzrayim. La richesse, c'est une richesse spirituelle ici. Ok, chez Seymou, Ben Israël est à Avoda, Ubiru à Netsutsot. Donc quand les Ben Israël, ils ont terminé la Avoda, qu'ils ont sorti toutes les étincelles. Aïta Geoula, il y a la Geoula. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a sorti toutes les étincelles, qui s'appelle la grande richesse, il y a aussi une richesse matérielle qui doit s'accomplir. Ils sont sortis aussi avec une grande richesse matérielle. Parce que quand on fait le bureau des Netsutsot, on amène aussi une richesse dans la Gashmiyot. Mais ce qu'ils devaient faire, c'était sortir toutes ces étincelles. Donc une fois qu'on a sorti toutes ces étincelles, à ce moment-là, il peut y avoir la Geoula. Chez eux, Gama, chez Neymar, chez Geoula, Migalot, Mitzrayim, Maïta, Besrout, Dam, Mila, Vedam, Pessa. Comme c'est marqué dans le Zohar, que grâce au mérite du sang, Bedamayir, Chayir, Bedamayir, Chayir, des deux sangs, le sang de la Brit Mila et le sang du Korban Pessa, ils ont mélangé, ils ont mis sur les linteaux du Zohar. Grâce à ce Srout-là, ils sont sortis d'Égypte. Qui un dame à Mila ou les Alot et à Dragot à Tartanot, Yisouda Siouan et Goufa, c'est quoi le sang de la Mila? Il représente cet acte de sanctification qui est avec la Brit Mila, qui fait remonter donc la Gdoucha. Est-ce que c'est vrai que c'est les 4/5 n'ont pas voulu se faire la Brit, c'est pour ça qu'ils ne sont pas sortis? Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne voulaient pas faire la Brit. Non, ils n'avaient pas la Brit. C'est... Personne n'avait la brite encore. Non, mais ils n'avaient pas. La brite, elle a été faite pour après. Pour la sortie. Mais ça a été demandé après la Makat Rocher. Ok, il y a une Makat Rocher où, d'après certains avis, Rabbi Akiva, 4/5 son Iftar. Ah oui, c'est vrai ça. C'était avant qu'il reçoive la mitzvah. Avant qu'il reçoive la brite, ouais. Ah oui. Mais c'est possible que ce soit lié quand même. Mais c'est des tout seuls, ces étincelles. C'est le plus Birat HaKelim. Ouais. Comment tu nous expliques ça? C'était en Égypte. Le jeu divin, c'est
C'est pour ramener le bien et le mal et nous faire notre tikkun après, c'est quoi? Le divin, il est caché dans le monde. Il faut le révéler. La connaissance de Dieu, mais s'il a fait une brisure, c'est pour ramener quelque chose. Il aurait pu le faire parfait sans qu'il y ait de brisure, on n'aurait pas eu tout ça, et tous ces tikkunim et tout ça. Ouais. Mais c'est pour nous qu'il a fait ça, pour qu'on s'élève, c'est ça? Oui. Entre autres, on peut l'expliquer comme ça. Il y a d'autres explications sur ce sujet-là, mais c'est un des sens. Ouais. Pas dire qu'il y avait un gamme chez HM, c'est pour ça qu'il y a une brisure. Non, ça c'était absolument Watson, c'était absolument voulu. À partir de quel moment? Depuis la création du monde. Avant? Depuis avant la création du monde. C'est ça, ça veut dire. Depuis le monde. Dans le Olam Hanekuvim. Alors pourquoi on parle toujours alors depuis le. On est toujours là pour admettre à Ken Adam Verchaval. Un chazak. Parce qu'on avait déjà un travail avant ça. Quoi. Ouais. Ça veut dire qu'eux aussi, ils avaient déjà ce travail. En fait, oui. C'est à cause de ça qu'ils ont fait ça. Alors, dans la Rizal, c'est expliqué que le tikkun, la réparation de la Shvirata Kenin, il a été fait par Hachem. Ah, il l'a fait déjà. Sauf le dernier point. Ils ont cassé. C'est quoi le tikkun? Bah, c'est ce qu'on voit dans les six jours de la création. Mm-hmm. C'est-à-dire, la Shvirata Kenin, c'était avant la création. Ouais. Donc la création, c'est Yom Echad. Au contraire, Hachem, il remet les choses en place, il sépare les eaux, il met les végétaux, ouais. Il met les minéraux, il met les astres, les animaux, l'homme. Et à la fin, il faut faire ce qu'on appelle Makébé, Kapatish. Il faut donner la dernière touche, tu sais, dans le tableau, tu mets la dernière touche. Et qui c'est qui doit faire ça? Hachem dit, regardez, je vais vous donner à vous de le faire. Il dit ça à Adam. Adam, c'est toi, tu es mon partenaire. Toi, vas-y, fais des coups. Et là, le dernier coup, paf. Et c'est un peu ce que nous a dit le rabbi. Maintenant, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire à vous de. Ça ressemble aussi un peu à ça. Mais parce qu'effectivement, on doit aussi participer. Absolument. Alors, Adam Arishan, quand il a fauté, en quelque sorte, il a tout rétrogradé. Pas tout, parce que sinon, le monde, il n'y aurait plus de végétaux, il n'y aurait plus d'animaux, il n'y aurait plus rien. Mais à un niveau spirituel, il a fait un dommage. Et nous, on répare. Il a fait un dommage ou il a juste laissé le vide? C'est-à-dire, il a ramené la force de la Jivira. La force de la Jivira, la force de la destruction, okay. Il l'a ramené. Ça revient pas. Il y avait un cours où on était en train de parler des forces du mal, des tiara, etc. Oui. Puis un sadique Gamor, c'est ça le plus grand sadique. Ouais. Il peut contrôler ses pensées, il capte la faute. Et il neutralise la force du mal et il utilise son cœur pour faire les décisions. Non, c'est ce qu'on a dit. L'ego. C'est même pas un Tzadi Gamor, ça c'est un Benoni. Ouais, mais le Tzadi Gamor est annulé, il a complètement éliminé, ouais. Right? Il ne s'en revient pas à ça. Adam Arishon, Moshe, Rabbeinu, Avraham, ils ont toujours été capables de identifier la pensée négative et se ramener au cœur de Dieu. Probablement, ils ont fait chacun, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais il a ramené la Shekhina d'un ciel. Comme de cette. Désolé, parce qu'on parle, on parle de transcendance. Vous voyez, on transcende d'un plan à une autre, à une dimension, right, Keter, etc. La seule façon de faire ça, c'est de rentrer dans soi, right. La Torah, c'est d'amener la lumière entre nous, non? Ce que je comprends, right. Pas seulement. Non, c'est pas seulement en nous qu'il faut le faire, c'est dans le monde. Oui, de façon de parler. Mais ça veut dire toi tu parles et tu as raison, tu parles du travail sur soi. C'est déjà pas mal. Ben parce que notre réalité est affectée par nos pensées, ouais, on se comprend. Ouais. Donc si on est ici, un tzadik Gamour, right. Il a que des pensées positives, c'est qu'il peut créer sa réalité, il peut sa bracha peut affecter quelqu'un. 100%. Non, c'est de l'énergie finalement, right. C'est vrai, son énergie est pure. On parle de bergers, etc. Eux, ils sont purs, ils sont dans la nature, ils sont pas pollués par les voitures, etc. Right. Ils sont dans la nature, ils sont en transcendance. Ouais. Mais alors, mais ça revient pas au niveau du cœur. Le cœur, c'est le cœur et la tête, right? C'est tout relié, non? Ouais, c'était relié, bien sûr. Parce que c'est vrai ce que je dis ou... C'est ça, c'est okay. Ça. Mais
Ici, le point sur lequel on a insisté, c'est que Yosef fait descendre ça plus bas que le cœur. D'ailleurs, le cœur, c'est Tiferet, c'est Yaakov. Mais il fait descendre pas ça au niveau ça, il fait descendre au niveau du Brit. C'est-à-dire du monde avec les tavot, avec les désirs, les pulsions. Right. Quand tes pulsions elles-mêmes, elles sont sanctifiées, elles deviennent saintes et sacrées, alors c'est plus grand encore que simplement d'avoir des bonnes pensées dans le cœur, ou des bonnes pensées dans la tête, ou des bonnes, right. des bonnes émotions. Certain. C'est-à-dire, c'est plus bas, mais c'est plus dur. C'est plus profond. C'est plus dur parce que, combien ça peut arriver de fois où quelqu'un il a une élévation spirituelle, une méditation, il sent des émotions, un amour pour Hachem, une crainte de Dieu, ce qu'il veut, des pensées extraordinaires. Mais quelques heures après, il peut retomber très bas. Et tomber dans l'animalité, dans un côté animal. Parce qu'on a aussi un côté animal. Le côté de Bria. Bria et Tira, c'est à ce côté de l'animal. Mais Yosef, lui, c'est la sanctification justement du côté inférieur. Ouais. Donc quand on fait ça, le monde il nous affecte plus parce qu'on voit Dieu partout. Exactement. Mais alors, est-ce qu'il a, c'est juste un mérite ou il a fait quelque chose dans son caractère qui faisait en sorte que. C'est sa fonction, c'est sa nature, c'est ce qu'il est, Yosef. Il est né comme ça. Il avait cette capacité, après il fallait qu'il la réalise. Ouais. Comme chacun en fait. Même un tzadik gamo, il ne faut pas croire qu'il n'a rien à faire parce qu'il est tzadik. Il a une avoda qui est encore plus difficile que les autres. Mm-hmm. Mais. C'est pas la même avoda, c'est pas une avoda de Baal Teshuva, c'est une autre avoda. Right. C'est une avoda qui consiste à dévoiler les choses. Mais Rabbi, comment on peut dire de dénoncer la personne en chassidut, qu'est-ce que c'est un tzadik, un bénévole, etc. On l'appelle Yosef à tzadik. Est-ce que c'est lui alors cet incident avec la femme de Potiphar? Donc à ce moment-là, on peut dire qu'il avait une avoda bénoni, qu'il a repoussé. Oui. À ce moment-là, il a repoussé, mais alors pourquoi être tzadik? Ben parce que. Il n'avait pas encore la Torah? Arrêtez, c'est une bonne question que tu dis. C'est que les tzadikim eux-mêmes. En fait, le tzadik, c'est pas qu'au départ, il n'a pas de pulsion, mais c'est qu'il a été capable de totalement les transformer, de les tuer ou de les transformer complètement. Rabbi Nachman, par exemple, il raconte comment, quand il était jeune, il avait. Il a tué son Yetzara. Il avait un Yetzara, il l'a tué. David Ameler, il dit aussi qu'il a tué son Yetzara par des jeunes. Ouais. Mais la définition. À ce moment-là, il devient tzadique. Le Benoni, bon, il a réussi à repousser, mais il n'a pas réussi à totalement transformer son Yetzara. À l'éliminer, si tu veux. Mais on n'a pas dit que le tzadique, il est jamais dans une situation. Oui. Tu as raison, il peut être dans une situation de Nisayon. Et c'est ça ce qui est arrivé à Yosef. Yosef, il a été dans une épreuve. Mais Dafka, c'est à partir de cette épreuve-là qu'il a réussi justement à accéder à ce niveau de tzadik. C'est ça, alors. Ouais, c'est ça alors. Parce qu'en fait, le progrès spirituel ne peut pas se faire sans épreuve. Une épreuve, il ne faut pas le voir forcément. C'est trop négatif. Une épreuve, ça veut dire c'est quelque chose qui te fait grandir. Tu peux pas te muscler si tu fais pas, si tu te dépasses pas. Si tu dépasses pas un poids, si tu dépasses pas un obstacle. Okay? Tu peux pas grandir si tu franchis pas. C'est pas un dépassement, c'est pas un obstacle que tu as franchi. Donc le Superman inné, ça n'existe pas. Il faut non, la besoin de c'est quelqu'un qui a un potentiel, qui a des facultés, mais il va falloir qu'il les réalise, qu'il les exprime. En réalité, on peut le voir aussi comme le passage d'un potentiel à l'actuel. Donc quand la chassidoute a dit le tzadik, il n'a pas de tzerara, il n'a rien ça, ça veut dire alors, c'est une fois qu'il a accédé à ça. Mais regarde Antonia, ce qu'il cite, il dit ici, David Ameler, « Sha'arag et titzro betanit » parce que David Ameler, il a dit le fameux passo qui dit « Vélibi halal bekirbi » Mon cœur est vide en mon sein. C'est-à-dire, mon cœur est vide en mon sein. Il est vide, dit le Talmud, du Yetzirah. J'ai plus de Yetzirah dans mon cœur. Mais pourquoi? La Gemara dit
chez Aragetitzro Betanit. Il a tué son Yetzer par des jeûnes. Donc il a eu une avoda, David. David, c'était pas évident. Il y a eu aussi la tentation avec Bathsheba. Il a eu beaucoup de. Mais il a réussi à aller jusqu'au bout de la victoire contre son Yetzer. À ce moment-là, effectivement, c'est pas un tzadik gamon. Alors pourquoi il ne va pas donner quand on a vu l'histoire où on dit que Hachem lui a dit on n'a pas dit David à cause de l'épisode de Bathsheba. Encore plus, on aurait dû le gratifier. Parce que. Il y a d'autres raisons. Parce qu'on considère que. Alors, c'est un peu compliqué parce que l'histoire de Bathsheba, il n'a pas réellement passé. Mais après ça, il y a eu d'autres épreuves pour compenser ça. L'épreuve qu'il a été jeté en galop de son fils Abshalom qui a voulu le tuer, qu'il a été rejeté par tous, qu'il a été attaqué à Shaoul qui l'a poursuivi. Il y a eu beaucoup de choses dans sa vie, il y a eu beaucoup de tsarot. Et à la fin, malgré tout, le quatrième pilier de la Merkava, c'est David, il y est arrivé. On ne l'appelle pas un Avot, c'est encore spécial, mais quelque part, c'est lui la Sfirat Malchut. C'est lui, finalement, c'est lui qui a tout gagné. Parce que dans la Merkava, il n'y a pas trois piliers, il y en a quatre. Comme il y a quatre directions dans le monde, il y a quatre roues dans le chariot. La quatrième roue, c'est David. Il l'a eu finalement. Il n'est pas appelé Avot, mais en réalité, le Mamar, là, il est sur Yosef. Il n'est pas sur David, mais il y en a aussi sur David. Là, le Chidouche de Yosef, on va conclure là-dessus, parce que ça va être l'heure de l'arbitre, mais le Chidouche de Yosef, et c'est en fait la Nekouda principale de cette Sira, il représente cette capacité de descendre en bas, de vivre dans le monde matériel avec le plus grand attachement à Dieu. Et ça, on l'apprend de Yosef, et c'est ça notre modèle. Et c'est ça qui nous permet de descendre dans la galoute, de rester dans la galoute et de sortir de la galoute. Il faut développer absolument cette capacité d'être attaché à l'éternité divine, le Yom HaShmini, comme Shmini Atzeret, comme la Brit Mila, pour pouvoir traverser et sortir de la galoute. C'est ça que le rabbi aussi a beaucoup insisté sur l'idée, justement, qu'on soit dans le monde, pas qu'on soit en train de se détacher du monde. Qu'on soit dans le monde, mais dans le monde, qu'on soit attaché à la plus grande spiritualité, qu'on soit attaché à Dieu, même dans la matérielle. Vous avez le tirage du rabbi, vous voulez venir à la même chose, vous disiez que travailler à la sueur de son front, c'est rester avec ses mains, ne pas mettre sa tête. Oui, c'est une clé, pour rester attaché. De le faire de manière extérieure et rester totalement attaché avec Hachem. Ça va. Baruch Adonai le Olam. Amen. Amen. Amen.